Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky. Aujourd'hui, nouvelle vidéo invocation sur Pokémon Masters. Aujourd'hui est le dernier jour de portail de Gladiolus Loop Ultime et Magarna. Et malheureusement, il n'est toujours pas tombé en délit. Et j'aimerais pas rater le personnage parce que j'aime bien ce qu'il propose. Et surtout, de base, je suis quelqu'un qui aime bien Gladiolus. Et Magarna, c'est quand même un Pokémon assez sympa. Bon, j'ai surtout de l'affect avec Gladiolus et Magarna vis-à-vis de l'anime Pokémon. Mais je vous avoue, ça me ferait un petit peu chier de rater ce personnage. Surtout que j'aime bien la tenue, j'aime bien le kit, j'aime bien tout ça. Là où par exemple rater un Mélisnomètre, ça me faisait ni chaud ni froid. J'aimerais bien quand même essayer d'avoir le personnage au-delà des délits. Bon, je vous avoue, j'espère déjà le choper rapidement. Et aussi, dès que j'ai le 1 sur 5, je m'arrête. Sauf si bien sûr je suis à 2 multi de la pitié. J'espère que ça n'arrivera pas. Du coup, on va attaquer directement pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. J'ai viens juste de lancer le jeu, donc on va en même temps faire les délits. Aujourd'hui, Jacques est sorti. Du coup, on va aussi faire les délits sur son portail. Et en soi, ouais, on va faire tous les délits, puis ensuite on terminera par Gladio. Alors, est-ce qu'on peut faire ce délit, Jacques? Non, faut pas abuser non plus, on a déjà fait ça avec Percupio. On va pas forcer la chance. Percupio, est-ce que je peux dropper le 2 sur 5? Ça serait très bien. Comme ça au moins on est tranquille niveau bonbon. De toute façon il reste 2 semaines. Je pense que j'ai le temps de choper un 2 sur 5. Ensuite Cynthia c'est déjà 5 sur 5, pardon. Dahlia un petit 2 sur 5. Parce que même au delà des doublons ça me donne des médailles roulé roll pour des roll EX. Du coup pourquoi pas. Ça fait toujours plaisir. Je vous avoue, j'ai toujours les deux en 1 sur 5, j'ai jamais chopé de 5 étoiles sur ce portail. D'ailleurs, concernant les portails rerun de Duofest, pour leur mettre des Roll EX, ça serait bien qu'en même temps qu'on les drop, on ait des médailles roulées roll, comme les nouveaux Duofest. Parce que bon, sinon je vois pas trop l'intérêt des portails. Nakara, oui, Nakara et Adamantin, je les ai toujours pas. Leur portail par mercredi, du coup, si je les ai toujours pas en daily d'ici là, mardi, on ira invoquer sur les portails. Je pense que mardi, on fera un stream invocation. En plus, on fera le rallye de combat, le combat de maître de la semaine. Voilà, au moins, ça fera un petit peu de contenu pour la semaine. Mais s'il te plaît, les délits, est-ce que... Voilà, les délits veulent absolument pas. Alors, au niveau de délits, je crois que j'ai chopé justement un seul 5 étoiles sur Adamantin. Et c'était... C'était qui? C'était Nicolas et Clic-Clic-Clic. Bref, voilà, j'ai vraiment pas été gâté sur les délices sur ces deux-là. Ça me fait chier, hein. Bon, autant, je vous avoue, j'aimerais vraiment avoir Nakara. Adamantin, aussi un peu. Mais en vrai, je trouve que je préférerais avoir Nakara. Silver Néomètre, continuons les délices. Hein. Un petit 4 sur 5, ça se refuse pas. Son portail part dans une semaine, d'ailleurs. Rien du tout. Ensuite, on a Alisma. Alors, Alisma, pareil, son portail part lundi prochain. Du coup, dimanche prochain, c'est le dernier jour, je ne l'ai toujours pas en délit. Du coup, si en délit ça tombe pas, dimanche prochain, on fera une vidéo où j'invoque dessus. Parce que ce serait dommage de la rater, vu tout ce qu'elle propose. Ok, rien du tout, les délits sont vraiment mortes aujourd'hui. On a Gladio, mais avant de faire Gladio, je vais aller faire le petit foison sur Red. On sait jamais, hein, peut-être que le petit extra peut me donner un petit truc. Oh! Ah, c'est... Ok, Meganium. Bon, bon, quand on invoque sur le Estra, c'est pas vraiment des scouts qu'on veut, mais bon, on va dire que c'est un pré-shot pour son up fin de mois. Bon, toujours sympa. Allez, le petit appel journalier fait tout toujours, hein. Il y a des petits objets en plus. Hop, du coup, maintenant que c'est fait, on va aller invoquer son Pierre Rochard, non, bien évidemment. Gladio et Magarna, bon, dernier jour de portail, on va y aller, la daily, puis ensuite, les multis, j'espère vraiment que ça va drop rapidement. Ok, bon, vraiment, les délits n'ont rien donné sur lui. Quel enfer. Quel enfer du cul. Allez, c'est parti. Première multi sur Gladio. Ok, bon, s'il n'y a pas d'étincelle, je skip. Par contre, des 5 étoiles, s'il te plaît. Ouais, non, ok. Ok, ça décide de me chier à la gueule dès la première multi. Monsieur, s'il vous plaît. J'ai le droit du respect, s'il vous plaît. Voilà, 5 étoiles. Ça, on aime bien. Ça, on veut. Et vraiment, si je drop super rapidement, ce serait vraiment cool. Bon, c'est pas comme si j'avais un stock de diamants super pauvre. Mais plus j'ai de diamants, mieux c'est, quoi. Parce que bon, faut pas oublier aussi un truc, c'est que bon, ce mois-ci, à part les délits, y a pas grand-chose qui m'intéresse en avril. Mais surtout, au mois de juin, normalement, on a des nouveaux Masterfest. Allez, s'il te plaît, Gladio, pop dans cette multi, puis on n'en parle plus. Il y aura qu'un seul 5 étoiles dans la multi, je pense. Ouais, non, Timmy, non, non, non. Non, Brice, non. Ok, bon, là, c'était la multi de la 3G. Allez, c'est Tipar. Je vais quand même pas devoir sortir, morleux.
vais même pas devoir sortir morleux. Hein? Oh putain, Mélisse. Là, c'est le troll parce que j'ai pas Poutre Chaudon. Ah ouais, carrément. Bon. Bon, bah, on sort morleux, hein. On est obligé, hein. Je l'ai sorti de sa petite étagère. Puis on va continuer, hein. Allez! Par la puissance de morleux! T'es obligé de le claquer, hein. La puissance de morleux directement. Va te revoir. Allez, bah, on continue, hein. On continue. On peut pas faire grand chose d'autre, hein. Voilà, 5 étoiles, allez morleux, tu fais pop gladio, on est content. C'est pareil hein, pour les duos d'issue et puis Alisma. Hein. Moi je mets diamant mais je suis content. Ah plus je suis content plutôt mieux je suis content, ça veut rien dire. Non pas toi Chimera, non merci, c'est sympa de passer quand même. Allez, s'il te plaît. Je sens que cette session invocation va mal se passer. Voilà, bon. C'était la dernière multi-cadeau, du coup là, bah on est proche du endgame, hein. On est à la moitié de l'appétit. Let's go, hein. Allez, 5 étoiles. Bon, vite pour boire un peu, excusez-moi. Allez, le jeu. Allez, le jeu. Allez, le jeu. Allez, Gladio dans les multi, on n'en parle plus. Non, c'est du Alola, mais c'est pas ce que je veux. C'est du Alola, mais c'est pas ce que je veux. Et franchement, tu veux me faire une multi Alola? Bah, mets-moi Gladio dans la multi, hein. Va te faire voir. Allez, on continue. Non, mais on se rapproche dangereusement de la pitié. Allez, bon, on a du 5 étoiles. C'est bien le 5 étoiles, mais... Voilà, bah c'est comme j'en parlais quand le perso est sorti, c'est que bah... Y'aura bien le drop en délit, mais ça me ferait chier vraiment de mettre des multis dessus, et là vraiment ça me fait chier. Même si je veux quand même le personnage. Mais encore Chimera, mais putain, mais je me tape toujours les mêmes scouts à chaque fois que j'invoque, ça me fume. Franchement, il manquerait plus que tu me donnes Sylvaldi, puis c'est fini, là. Allez, putain, mais les 3 étoiles, j'en ai rien à foutre. Redonne Mobardan. Putain, la multi qui te donne le cancer du cul. Donne des 5 étoiles, mais donne le bon 5 étoiles, s'il te plaît. Allez. Là, j'ai pas vraiment de commentaires à faire, parce que j'attends juste que ça drop, quoi. Allez, dans cette multi, s'il te plaît. S'il te plaît, le jeu. Merci le jeu. Voilà, il faut dire s'il te plaît. Il faut avoir du respect envers Pokémon Masters qui nous dépouille tous les jours. Voilà, Gladio Ultime et Magearna. On est à un petit peu plus de la moitié de l'appétit. On va pas continuer. On a le 1 sur 5, on est content. C'est très bien, je vais faire un screen. Voilà. On est content. Maintenant tu me donnes un deuxième dans les multi. Ok. Bon, là, 306 sur 400, non. C'est combien de multi? C'est 3 multi. 3 multi, c'est... Bon, entre-temps, je suis reparti voir le plateau du duo, et c'est vrai que le 2 sur 5 est quand même intéressant pour les récup Josh 3 sur canon floral, et surtout le précision plus 10, parce que je rappelle que canon floral, quand même, de base, ça coûte 4 segments de Josh capacité, ça a que 90 de précision. Derrière, on va corriger ce souci, même si on peut booster à fond la vitesse du perso avec le vitesse plus, avoir plus de récup Josh, c'est quand même sympa, bah, surtout que bah, ça demande quand même pas mal de segments de Josh capacité pour attaquer, surtout avec, eh bien, la compétence dresseur, c'est ça le problème du perso, c'est que ça demande pas mal de Josh. Donc, en vrai, continue jusqu'à la pitié, c'est pas déconnant, et puis même quand on va chercher le 3 sur 5, on va mettre à 62 d'énergie parce qu'il y a un truc à faire. Quand on va chercher le 3 sur 5, c'est quand même bien bah, pour avoir le multiplicateur supplémentaire, un multiplicateur sur la capacité duo et aussi la récupération d'une utilisation du buddy move. C'est bien de mettre 62 d'énergie, comme ça on peut profiter de ce multiplicateur en même temps, parce que comme j'en avais parlé à l'époque de la vidéo analyse, si on reste sur 60 d'énergie, eh bien on ne peut faire que ça. Donc c'est bien d'aller chercher au moins le 62 d'énergie. Bon, après ces 3 multi, on va tenter un petit peu. S'il y a le 2 sur 5, bon, pourquoi pas, au moins j'ai envie de dire, on a le récup jauge et la précision. Et puis on s'en a le 3 sur 5, et bien tant mieux. Par contre, je compte pas lui donner son Reliex accélérateur. On y va, on ressort morleux bien sûr. Et puis, bah, espérons que ça drop vite. Peut-être des doublons avant le 3 sur 5. Bon,
Est-ce que le jeu, non, je pense que le jeu là il va se dire non, tu vas te faire foutre. T'as multi le 1 sur 5. Après tu vas te faire foutre, tu vas pity le 3, le 2-5. À moins que peut-être que le jeu va se dire écoute, tiens, revoilà un Gladio et hop, t'es tranquille. Parce que bon, c'est bien de l'avoir en 1 sur 5 pour la collecte, mais si derrière il y a des soucis de gameplay avec la précision ou la jauge capacité, bon. Allez, tu me donnes un autre Gladio, puis on est tranquille. Le 5 étoiles met du temps. Charpedo, vivement son up. Enfin, il se tuera pas sur place pour faire son bon dresseur. Ok, bon, les dernières multi. Et derrière, de toute façon, on a encore suffisamment de diamants. Ok, rien du tout. Est-ce qu'on peut au moins avoir un 5 étoiles de la multi? Non, c'est mort. Et voilà, ah bah genre j'aurais pu faire des singles à la place, bon c'est pas la mort non plus. Et puis hop, c'est y part. Puis on prend le 2 sur 5 et basta. Et voilà, le 2 sur 5, au moins les problèmes de précision sont corrigés et puis on a les récup jauge. Voilà. Bon, niveau points, certes, c'est que 5 délits en plus, mais bon, c'est pas la mort non plus. Bon, en fait, il s'est passé un truc assez drôle, c'est que, souvenez-vous, avec la dernière mise à jour, le bouton tout réinitialiser était juste ici. Sauf que maintenant, c'est repoussé la limite, donc devinez ce qui s'est passé. Au lieu de mettre le plateau en 2 sur 5, j'ai repoussé la limite. Donc, je me suis dit, quitte à faire ça, au pire, je vais chercher le bonbon pour le 3-5. Du coup, on va faire son plateau. C'était pas prévu, mais bon. Au moins c'est fait, je vais pouvoir profiter à fond du personnage. Et puis basta. Et puis bon, on le jouera en rallye de combat je pense dans la semaine. Mais je compte toujours pas lui mettre son rallye X par contre, pas abuser. Et puis voilà, on a Gladio qui est maxé 3 sur 5, 6 étoiles X. Et puis voilà, hein, plus d'en énergie. Mais au moins on est tranquille au niveau du plateau. Et puis c'est tout pour les invocations sur Gladio et Magerna. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu. Et si vous, à l'époque où vous aviez invoqué sur Gladio, vous avez réussi à l'obtenir et avec combien de doublons. Parce que faut pas oublier que le duo est sorti il y a un peu plus d'un mois. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Rejoignez dans la description le lien vers le Discord, la chaîne Twitch et le Google Doc de mes différents plateaux. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. C'était Geeky, je vous embrasse tous et à la prochaine. Ciao !